Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à faire une bande-annonce. Donc pour commencer, je vais vous montrer ma bande-annonce à moi. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos de voyage, des tutos et bien d'autres encore. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt! Donc voilà, voici ma bande-annonce. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre les choses à faire pour créer une bonne bande-annonce, mais également comment la mettre sur YouTube. Donc je vais tout d'abord vous montrer comment la mettre sur YouTube et ensuite vous donner quelques conseils. Donc vous allez aller sur votre chaîne YouTube, puis cliquer sur « Personnaliser la chaîne ». Ensuite, cette page va s'ouvrir et donc vous allez aller sur « Accueil ». Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un contenu à promouvoir pour les abonnés et pour les nouveaux visiteurs. Donc, je vous conseille de mettre également une vidéo qui a bien marché ou que vous trouvez bien pour vos abonnés. Donc, celle-ci, c'est que les abonnés qui vont les voir. Ou alors, il y a un petit onglet pour les nouveaux visiteurs. Et donc, c'est là que vous allez mettre votre bande-annonce. Donc là, vous pouvez voir que si on clique dessus, la vidéo se démarre. Donc voilà, donc ensuite après vous pouvez continuer la bande-annonce ou alors vous pouvez également la mettre en plein écran, etc. Donc c'est dans cet onglet que vous allez mettre votre bande-annonce. Donc petit conseil, si vous voulez la mettre sur YouTube sans qu'elle apparaisse dans vos vidéos mises en ligne, vous la mettez en non répertorié. Comme ça elle ne sera pas présente dans vos vidéos mises en ligne, mais juste pour les nouveaux visiteurs en bande-annonce justement. Donc tout d'abord, pour avoir une bonne bande-annonce, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc je vous conseille un peu moins d'une minute, c'est vraiment bien. Et donc dans cette petite vidéo, il faut que vous montrez le thème de votre chaîne. Donc moi c'est un peu le thème du voyage. Donc il faut mettre vos meilleurs plans, vos meilleures images. Et il faut que ce soit surtout assez rythmé. Et donc trouver une bonne musique. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai également rajouté un moment où je parle et donc j'explique ce que je fais sur ma chaîne. Donc je vais vous montrer par exemple. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais des vidéos de voyage, des tutos et bien d'autres encore. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt! Donc j'explique ce que je fais sur ma chaîne et ensuite je propose aux gens de s'abonner. Donc la bande-annonce est quelque chose qui est faite pour attirer les gens. Vous mettez vos meilleurs plans et surtout des plans qui représentent bien votre chaîne. Et ce sera nickel. Ok, donc maintenant on se retrouve à nouveau sur l'onglet personnaliser la chaîne sur YouTube. Et donc je vais vous montrer les dernières petites astuces. Donc tout d'abord je vous conseille de mettre une miniature. Donc là elle est de mauvaise qualité mais en réalité c'est pas le cas. Donc vous mettez une belle miniature. Et donc je vous conseille également de mettre une bonne description. Donc là dans la description, je décris ce que je fais sur ma chaîne. Et donc par exemple, si vous sortez une vidéo par semaine, vous pouvez également le préciser. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour la bande-annonce. Vous pouvez me dire en commentaire si ce tuto vous a servi et vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez, ciao!